axe. Parce que comme je ne sais pas grand chose, un peu l'accusation qui sort un peu, je pense que c'est de la justice de faire un peu l'état des lieux, de faire des éclairages. Et puis de voir aussi pourquoi on l'a arrêté. Voilà. Donc, mais pour. Est-ce que cela aura des incidences sur la réconciliation nationale à temps formé? Je pense que tout va dépendre des décisions qui vont sortir un peu de cette arrestation. Est-ce que les preuves sont fondées? Est-ce que ce pourquoi on l'accuse est vraiment établi? Si c'est établi, on laisse la justice faire les choses. Voilà. Mais si ce n'est pas de, si ce n'est pas établi et qu'il est maintenu malgré ce qu'il n'a pas fait, je pense que cela ne peut pas contribuer à la réconciliation nationale. Je pense que c'est une bonne chose du moment où les gens disent un peu partout qu'il y a des gens qui sont toujours prêts à déstabiliser le pouvoir en place. Bon, déstabiliser le pouvoir en place, c'est déjà mauvais. En soi, c'est déjà mauvais. Donc, vu la guerre et tout ce que nous avons déjà vécu pendant cette crise post-électorale, on ne veut plus revenir pour tomber là-dedans. Donc, de ce fait-là, si le pouvoir a des moyens pour rester vigilant, et mettre en déroute tous ceux qui envisagent de stabiliser ce pouvoir, je pense que ça vient à point nommé. C'est une arrestation arbitraire, si on parle de réconciliation. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de réconciliation, c'est faire fi de ce qui est passé, tu vois? Et puis aujourd'hui se réconcilier, mais on a comme l'impression que d'aucuns parlent de réconciliation, et puis joue le chat à la souris, on vient à la table d'autres personnes, on a plus, c'est pas normal. Franchement, je suis contre ça. Voilà. Si le régime en place souhaiterait qu'il y ait une réconciliation vraie, il faudrait qu'on essaie, on soit franc. On soit franc avec ce qu'on dit. Il faudrait que l'opposant, ceux qui sont dans l'opposition, l'Ida Kwasi Moïse est parti loin. Aujourd'hui, là, moi, je pense que ce que le régime en place devait faire, c'était de l'appeler, faire venir. Pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait vérité et justice, si l'appareil judiciaire en place pense que le soleil d'en Kwasi est reconnu coupable pour certains faits et gestes, c'est normal qu'on l'arrête et qu'on l'extradite. Si le gouvernement togolais s'est prêté à son arrestation, c'est que peut-être les preuves sont fortes. Donc je pense qu'il n'y a pas d'impact sur le processus de paix et de réconciliation, parce que pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse se pardonner, il faut que justice soit faite, que ceux qui ont peut-être commis des actes dans le passé paient pour ces actes. Parce qu'en temps normal, on ne doit pas procéder de cette manière. Mais nous pensons que nous partons actuellement, chacun a son idée sur la réconciliation nationale, comme on dit souvent quand nous parlons partout, parce qu'on ne doit plus peut-être revenir en arrière. Mais il s'agit maintenant il s'agira entre nous de ces nuits et puis aller là-bas. Mais à chaque fois que on veut progresser pour de bon, mais on a l'impression qu'on revient en arrière. Les éléments des Gbagbo à la haie. Et maintenant, comment nous procédons? Quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour que ceux qui vivent sur le territoire ivoirien puissent être en harmonie? Mais à chaque fois, on nous frustre. À chaque fois, on nous frustre. Or, on dit de frustration en voir, ou bien en voir la guerre. Mais écoutez, quand on nous parle qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, est-ce que le gouvernement en place, qu'est-ce qu'elle a préconisé, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour ne pas que ces personnes-là puissent déstabiliser ce pays-là, hein? Je suis vraiment désolé, arrestation en arrestation, où on va? Donc mon frère, il faudrait dire au gouvernement, à l'État, il faudrait leur dire de procéder d'une manière paisible, dans la droite ligne, de réfléchir encore que d'aller faire des arrestations arbitraires. Là, je suis désolé à la salle qui travaille correctement parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Voilà.